Bonjour, je suis Sophie et je suis ingénieure de développement à Orange depuis novembre 2017. J'ai réalisé un master en informatique en alternance avant d'intégrer Orange. Ma mission, c'est de développer des outils internes pour les collaborateurs d'Orange. Donc ça peut être les applications d'aide aux vendeurs ainsi que des applications pour la comptabilité. Alors ce que j'aime dans mon travail, c'est pouvoir changer souvent de projet et à chaque fois pouvoir découvrir en fait un nouveau métier puisque vraiment ma mission, c'est d'apporter, on va dire, une solution à tout type de collaborateurs. Alors, suite à mon alternance, en fait, j'ai choisi d'intégrer Orange parce qu'on m'a proposé un poste en fait, dans l'entité où j'ai fait mon alternance. C'était une très bonne opportunité parce que c'est vraiment un service qui plaît en fait, à mon rythme de travail, c'est-à-dire souvent découvrir de nouveaux domaines et ne pas travailler sur une seule application. Et surtout, d'intégrer une équipe extrêmement solidaire et avec un bon esprit de travail. Et le gros plus de mon travail, c'est qu'il y a une salle de sport sur site qui me permet donc de pouvoir exercer une activité sportive en toute convivialité. Alors une journée type pour moi, c'est d'arriver un petit peu plus tôt que mes autres collègues au travail pour pouvoir avoir un petit moment de calme pour pouvoir réaliser un peu. Et ensuite, souvent, c'est pause café, évidemment. C'est le moment convivial de la journée. Aller au sport le midi. Pour le reste, ça dépend beaucoup de l'état du projet sur lequel je travaille, c'est-à-dire que quand c'est de la conception, c'est beaucoup de communication avec nos utilisateurs, réalisation de tout ce qui est schéma, etc. Et quand c'est l'étape développement, eh bien évidemment, c'est réaliser le code. Et ça, c'est plus échange du coup avec les autres développeurs.